Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti sur 20 minutes intenses full body pour travailler tous les muscles du corps et brûler le maximum de gras possible. La séance que nous allons faire ici est issue de cet ouvrage que je t'ai mis sur pied qui te permet comme ça de perdre autant de kilos que tu veux sans cardio, sans régime et sans frustration. Tu le retrouveras bien évidemment sur Amazon et à la FNAC. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Mathieu Sponco. Je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne rien louper. Bien évidemment, active la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publierai un contenu, tu seras tout de suite informé. C'est fait? Let's go! Alors, premier exercice, on va réaliser des squats sumo. Donc, on va mettre les pieds dans une position 10-10 et on garde le dos droit, on serre bien le ventre. Et on descend en toute douceur. Là. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler à une fréquence de 40 secondes de défense et 20 secondes de récupération. Là. On va passer un bon petit moment ensemble, les amis. Très bien. Allez. Parfait, on récupère 20 secondes. Alors les amis, sachez ici que ce qu'on fait ici, c'est juste 20% pour 20% du résultat. Le résultat va venir de ce que vous mettez dans l'assiette, les amis. Et toujours dans l'ouvrage, vous retrouvez des exemples de menus minceurs. Deuxième exercice, on est parti sur des jumping jacks. On met un peu l'intensité. On se donne à fond, les amis. 20 minutes dans la journée sérieuse. Et le fait d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est très bien, les amis. Allez, on se donne à fond. On tient bon. Sachez que si c'est difficile, tu peux faire la version facile. Là, je vais essayer de donner à chaque fois la version facile pour qu'on puisse arriver à la fin tous ensemble. Ok? Donc, ça, c'est la version facile. On récupère 20 secondes. Alors, prochain exercice qu'on va faire, on va passer au sol. On va faire ici les pompes. Donc, à chaque fois, je vais, comme je l'ai dit, je vais te proposer la version facile. Ok? Donc, version facile. Donc, je montre d'abord la version des confirmés. Donc, on est là. Je serre bien le ventre. Je ressors ma poitrine. Et je descends. Je contrôle la descente. Là. Et je pousse brutalement sur la montée. Là. Ça ne sert à rien d'être pressé, les amis. Donc, on contrôle la descente. Et on pousse brutalement sur la montée. Version OBS. Ou bien, le moins confirmé. Je mets juste les genoux au sol. Et là. Ok, on récupère 20 secondes. Maintenant, on va passer au sol. On va faire l'un de mes exercices favoris, la bicyclette. Donc, c'est parti. Donc, on est là. Hop. Là. Le coude vient toucher le genou opposé. Là. C'est bon, hop, ça brûle, c'est normal. Hop, on donne tous les amis. Allez. Là, hop, hop, hop. Allez, ouf, hop. Très bien. On récupère 20 secondes. Alors, prochain exercice, on va tout simplement se dérouler et on va revenir. Ça, c'est le plus facile. On se met en position. Donc, on fléchit d'abord les genoux. Hop, et on descend là. On revient. C'est facile, non, les amis? Là.
On revient. On revient. Pensez à bien guérir, à bien serrer les abdos, s'il vous plaît. Là. Allez. On tient bon. Allez. Parfait. On récupère 20 secondes. Les amis, l'alimentation, c'est très important, les amis. Ok? Vous n'avez pas besoin de faire un régime. Juste assez de protéines et assez de fibres. C'est suffisant. Prochain exercice, on va faire la corde à sauter. Donc, on fait la corde à sauter virtuelle. On bouge bien les poignets, les amis. Et on peut faire, on peut jouer avec les pieds comme ceci. Là. Là. Je vais décaler un peu. Là. À son rythme. Mais bougez bien les poignets, mon ami. Là. On souffle bien. Je crois que jusqu'ici, on n'a rien fait de dangereux. Hein? Là. Parfait, on récupère 20 secondes. Prochain exercice, bavise. Donc, je vais faire la version avancée et la version pour la version la plus facile. Ok? Donc, ici, on va faire bavise avec les sauts. Donc, bavise là. Là. Version facile, je descends là, hop, hop, et je remonte. Pour faire le saut, tu fais juste ceci. Là. Sans impact, là. Comme ceci. Version avancée. Très bien, on récupère 20 secondes. On passe au dos, au sol, autant que moi. Alors, ici, on va travailler le bas du dos. Il y a beaucoup de gens qui ont moins d'oxygène, les douleurs au niveau du bas du dos. Donc, on va faire ceci. On soulève une jambe et la main opposée là. Comme ceci. Là. Très bien. On pense à bien serrer le ventre. Très bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, les amis? Ah. On n'oublie pas de s'abonner, les amis. Là. Parfait. On récupère. Alors, prochain exercice, on va se mettre au sol. Donc, on va toujours travailler le dos. Donc là, on va faire le Superman. Là, hop, on bloque 2 à 3 secondes et on relâche. Là, 1, 2, 3, on relâche. 1, 2, 3, on relâche. Les genoux doivent décoller du sol, les amis. Là, 1, 2, 3, on relâche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. On récupère. 6. On va faire les pompes Mike Tyson, version facile. Ça, c'est aussi un exercice très intéressant qui travaille tous les muscles du corps. Ok? Donc, on se lance. On va rester dans cette position. Tout ce que vous aurez à faire, c'est faire là. Vous étirez bien et vous revenez à faire une pompe là.
J'adore bien cet exercice parce que non seulement elle travaille tous les muscles du corps, mais tu ne ressens vraiment pas les douleurs au niveau de tes articulations. Là. Hop. Et là. Très bien. En plus, on a de très bonnes sensations avec cet exercice. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile là? Rien. Prochain exercice, on est parti sur des fentes. Donc, fente avant, fente arrière. Et on atteint. On récupère. N'oubliez pas les amis, de boire suffisamment d'eau. Très important. Donc, fente avant. On atteint là. Très bien. Bravo. Allez. Hop. Là. Et là. Lorsque vous descendez, gardez bien le buste droit. Très important. Et là. On tient bon. Hop. Toujours les abdos bien serrés, les amis. Parfait. C'est bien, les amis. C'est très bien. Maintenant, on va passer sur des squat jumps. Alors, je t'invite vivement à beaucoup travailler le bas du corps. Surtout les fesses. Parce que les fesses, c'est la partie la plus puissante du corps. Et qui dit puissant, dit consommation excessive d'énergie. Donc là, je mets sur le profil pour que tu vois bien. Donc, je repousse à chaque fois mes fesses en arrière. Là, j'ai fait un petit squat. Là. Un petit saut. Je garde le dos droit. Là. Et lorsque j'atterris, j'atterris d'abord avec la pointe des pieds. Pas comme ça. J'atterris avec la pointe des pieds là. D'abord là. Hop. Et je pousse mes fesses en arrière. Là. Là, c'est un peu. C'est normal. Là. Ah, très bien. Alors, sachez que pour vous qui avez des problèmes, des douleurs au niveau du dos, il faut beaucoup faire les squats, les amis. Beaucoup, beaucoup de squats. Alors, prochain exercice qu'on va faire, on passe au sol. Donc, on va tout simplement faire mon exercice fort. Donc, là, on vient toucher les chevilles. Là. Très bien. On tient bon. Et hop. Et là. On souffle bien. Hop. Hop. Allez. On donne tout. Hop. Très bien. On récupère 20 secondes. Prochain exercice, on va mettre les mains en bas du dos et on va envoyer les pieds en l'air. Donc, c'est parti. Là et là. Hop. Good job. Allez. C'est bien le ventre. Hop. Good. Allez. Hop. Hop. Allez, on tient bon. Allez. Hop. Good job. On récupère. Alors. Prochain exercice, on va tout simplement faire des fentes latérales. Donc, on va placer les pieds dans cette position. Et à chaque fois, on descend en poussant les fesses en arrière. Donc là, je descends au maximum que je peux. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté.
Là. Là. Ah. On souffle bien. Hop. Et là. Très bien. On récupère. Prochain exercice, on va faire les mountain climbers. Donc, ici, au lieu de faire les mountain climbers, on va faire l'exercice que j'ai fait dans une vidéo qui est très intéressant. Donc là, on serre le ventre, on envoie un pied, l'autre, et on bascule. Là. J'aime bien cet exercice. Parce qu'elle te permet de raser tes boulets et ça te donne rapidement une taille fine et un ventre plat. Je vous le recommande vivement à toutes vos séances de sport. Et là. Parfait. On récupère. Alors, prochain exercice, on va faire ici le gainage dynamique. Donc, on se met en position. Donc, on est là. Un pied, l'autre, une main et l'autre. Là. On essaye de bouger le moins possible, les amis. Et là. On serre le ventre, les amis. Toujours serrer le ventre, très important. Allez, ça brûle, c'est normal. On tient bon, les amis. Allez, donne tout. Hop. Et hop. Ouh. Le gainage, c'est l'exercice qui accélère l'obtention du ventre plat. Je précise que le gainage est dynamique. Très important. Alors, on se met sur le dos. On va tendre les pieds là. Et on va les toucher les orteils. Hop. Hop. On tient bon. Hop. Pareil, manger du n'importe quoi, on réfléchit pas deux fois. Oh. Alors, prochain exercice, on va faire des squats, des variations de squats. Donc, squat fermé, moyen, ouvert. Moyen, fermé. Et là, très bien, je suis très fier de vous, les amis. Je suis très content que vous avez pu tenir jusqu'ici. Allez, là, et là, good job. Allez, hop. C'est une accumulation d'efforts qui va te donner le résultat, les amis, et le bon. Allez, hop, parfait. On récupère. Ouh. Alors, prochain exercice, qu'on va faire ici, on va tout simplement passer au sol. Donc, on va faire pompe, on rote. Donc, on fait une pompe et on fait la petite rotation là. Hop, rotation là. Et là. Là.
On pense à bien ressortir la poitrine, là. Et là. Si c'est trop difficile pour toi, c'est pas grave. Tu mets les genoux au sol, une pompe, et tu envoies la main. Hop. Comme ça. Même si tu fais ça, et tu envoies juste le coude, c'est assez. Là. Et là. Mais nous, on reste là. Hop. Et là. Très bien. Bravo. Tu vois, tu as réussi à terminer la séance avec moi. Alors, c'était tout pour cette petite séance. J'espère quelque part. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose. Voici à quoi doivent ressembler tes séances de sport. C'est pas la peine de te tuer dans le cardio. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de prendre ton ouvrage et comme ça, tu vas piocher des exemples de menus minceurs pour accélérer l'obtention de ton ventre plat et de tes abdos bien dessinés. Et si tu as assez d'énergie, clique là pour une nouvelle séance de sport et là pour t'abonner. Et n'oublie surtout pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.